Gabriel Gelormini, on va évoquer les chances de Voltigeur de Myrte qui vous a fait une fois de plus plaisir dernièrement à Volvega. Ah bah tout à fait, le cheval il est très très bien en ce moment. Il n'est pas à 100% mais voilà, il va monter gentiment au fur et à mesure des courses. L'autre soir c'était la deuxième course, le cheval il a gagné à nouveau vraiment facilement. Là c'est un lot à sa portée, il y a pas mal de concurrents qui sont ferrés. Donc nous on va être des ferrés des 4 et puis on va essayer de tout faire pour gagner cette course. Donc le lot il est vraiment à sa portée, on n'est pas très nombreux. Voilà, de plus en plus. En plus, le cheval, il peut aller en tête, donc on peut faire toutes les tactiques avec lui le matin. Ouais, il a gagné le René Balière, il a gagné à Laval, dernièrement à Volvega, il reste quand même sur 3 succès. On a même l'impression qu'il est plus fort que jamais. Exactement, tout à fait. Le cheval, depuis le Prix d'Amérique déjà, il a fait que des super courses. Mais depuis sa rentrée à Laval, qui m'a vraiment impressionné. L'autre soir, c'était encore le cas, donc tout va bien pour l'instant. Un succès de plus alors, il irait sur 3 et pourquoi pas 4? Bah écoutez, hein, c'est Vincennes, c'est 2007, c'est pas un problème la distance, mais bon forcément, il y a pas mal de concurrence, c'est les meilleurs chevaux qu'il y a tout de suite, donc il en fait partie, mais il faut que ça se passe bien, mais normalement il peut être dans les 3 premiers.